Salut à toi, toi qui me regardes. Salut à tous pour ce nouveau Pento Prestart. Je suis vraiment désolé, je m'excuse direct, ça va aller très très vite ce PPS parce que je voulais m'asseoir ce matin à 7h30, un dimanche matin, squatter toute la matinée à geeker, à vous sortir des belles images de The Witcher 2 parce que j'en ai vraiment entendu du bien. Malheureusement, je vais pas dire qu'il est pourri, hein. C'est vraiment un gros epic fails de ma part, mais je suis vraiment pas allé loin, j'arrivais pas à passer, donc au bout d'un moment ça m'a gonflé. Je voulais quand même vous poser des Qui images sait, tant que j'ai le jeu, donc je vous peut-être les ai cette posées. amulette peut t'accorder Mais voilà, je suis désolé, ça avec va être cette très. foutrerie. Je vais quand même J'ai pas de commenter quoi faire. les petites parties de Si on gameplay gagne que le j'ai pari, on passées, sera qui riche. sont Ne très l'oublie très pas. bien, où il y a Et vraiment on va plus pouvoir un apprendre un bon château niveau de détail, hein. caparaçonné Donc dans une pareil, armure je de glace. reprécise, c'est du On Périphel, chantera mais nos noms, tu verras. on peut Sommes s'imaginer le en HD quand même, rassemblement comme des d'hab, hein. médailles. Le Merci, jeu est très Sophia. bien, il est On vous magnifique, gardera il un est peu bon. dans Par le contre, il y a deux, trois placard. trucs, moi, ça m'a Peut-être qu'un vraiment jour, on se gonflé. fera. Mais bon, c'est plus personnel que le jeu. Voilà, donc là, on vient de discuter avec des amis. Et l'histoire, en gros, là, Voulez-vous on se soutenir fait notre attaquer, cause? et Quelle puis cause? on part pour On est défendre. ici Donc pour là, une caisse. je vous ai mis un petit passage C'est pas de la avec pompe. Bras de un fer. petit gars qui propose Oui, de faire des alors? bras de fer. C'est pour vous Tu montrer que sauras dans le où jeu, j'aille, on il y a des petits s'affronte. mini-jeux quand Un petit même duel? qu'on peut faire pour gagner de l'argent, hein, tout simplement. Donc, mini-jeu du bras de fer, c'est bien au moins, parce que d'habitude, dans le jeu comme ça, on nous propose tout le temps des jeux de Tu me cartes, prends pour un pouilleux ou puis c'est quoi? tout. Un Des petit jeux de cartes duel? pour gagner de l'argent. Refusez-vous Là, il y a des bras de fer, d'emboîter! c'est un peu comme dans Fable où il varie un Soldats! petit peu Allons-y! les plaisirs, tout simplement. Alors voilà, donc on abrège pas mal, hein. Par contre, voilà, moi j'étais très déçu parce que le Que se début, passe-t-il j'ai mis, oh, là-haut? franchement, j'ai Par mis tous 3 les dieux, quarts le d'heure. compte est J'avais déjà chéri! passé une 20 minutes avant Redescendez! avec des dialogues à suivre Visez la l'histoire. canaille Là, la j'ai plus repris une rouge! partie, il y a encore pas Assurez mal de l'amitié dialogues, mais bon, au moins éternelle, c'est bien il n'y a foutu, pas donc 6 mois! c'est bien fait quand même. Mais Vite! c'est vrai qu'au bout de On 3 vient quarts d'heure de d'entrer! Diacticiel, on a juste avancé, tapé 2-3 coups, enfin, ça m'a gonflé, d'autant plus que je suis mort bien après. Comme là, par exemple, on me demande déjà de viser une tour, de viser un personnage en rouge. Alors, je sais pas où est-ce que vous voyez du rouge là-dessus. Je cherche de partout sur l'écran. Forcément, au bout d'un moment, je vois pas. Alors, je me dis, on va peut-être tirer sur la tour. Donc, regardez bien où je tire. C'est très très important, hein. Donc, voilà, là, mon pointeur du milieu. Là, je bloque. Voilà, je le bloque quand même bien. Enfin, je sais plus. Normalement, c'est sur une tour, hein. Je me suis dit, allez, on va faire effondrer une tour si c'est un boulet qui sort. Donc voilà, là On j'ai était de visé la deux. tour. Je m'attends à ce qu'il y ait un gros boulet qui sorte et qu'on dégage tout, vu que j'ai pas trop compris, j'ai pas vu de rouge, tout ça. Et là en fait c'est un petit machin qui part, enfin voilà, c'est une flèche tout simplement. Puis en fait voilà, je vise pas du tout, c'est là Nous où il l'avons faut. Eu, ce Donc salopard. premier Epic Fails de la partie. Non, non, en non. fait moi, Nous ce que l'aurons j'aime sur les beaucoup dans murs. The Witcher, donc je suis Suivez-moi. désolé, hein, là, ça va être que le début, hein, finalement. Voilà, donc là la tour que j'ai loupée, bah finalement on y va à pied parce que en gros il vous explique avant que la catapulte elle peut pas viser deux fois au même endroit. Enfin l'arbalète géante on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, puis je m'en contrefiche là sur le moment. Et en fait voilà, ce que j'aime beaucoup déjà c'est le charisme du bonhomme. Moi il me fait un peu penser, alors c'est pas du tout le physique de ce personnage, mais c'est vraiment le type du personnage avec la voix. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la même voix, mais ça me fait penser un petit peu à comment il s'appelle déjà à X-Men, quoi, chez Wolverine, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu ce gars vraiment viril, qu'on a rien à foutre des règles, mais qui les suit quand même au final, parce qu'il l'a décidé. Et puis, très très fort et très, très charismatique. En tout cas. Donc, première partie, donc c'est pas loin d'ici où je vais déjà mourir une première fois. Donc là, on voit, alors moi je déteste ce genre de jeu en fait, à la base. C'est un petit peu un beat'em all, hein, tout simplement. Là, ça. C'est des ennemis. Bon, là, on voit pas trop parce que les ennemis se battent avec d'autres soldats. Mais sinon, c'est taper, taper, taper. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'arrive pas, j'ai peut-être pas compris. Ça se trouve, il y a vraiment une stratégie à prendre. Donc voilà, là, voilà, on me dit qu'en gros, il faut que j'aille atteindre le sol pour pouvoir tirer d'en bas les personnes qui nous tirent des flèches enflammées du dessus de la tour que vous voyez là. Donc forcément, moi, je vais déjà aller au casse-pipe direct. Voilà. Je suis devant, on me tire deux fois dessus, et bam, premier epic fail. Donc là, je me dis, bon, bah, je suis mort une fois, donc quand je jouais tout à l'heure, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on va recommencer. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, donc c'est reparti. Alors, deuxième tentative. Là, je remets bien comme quoi, voilà, en gros, faut attendre le petit point du bas, là. Alors, je me dis, bon, bah, peut-être que... Donc là, je vais couper aussi, parce que j'ai fait le tour de la map, j'ai rien trouvé. Donc je crois que j'ai coupé un peu les images. Et, ah non, c'était peut-être tout à l'heure... La première tentative. Donc voilà, là je fouille un minimum. Là, donc j'ai tout fouillé derrière, hein. Forcément, bah, c'était là, fallait fouiller un peu là, et là faut descendre ici.
Alors pour commenter le début, hein, je suis désolé, mais là vous allez pouvoir me faire une petite idée pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Hein. Mais pour commenter depuis le début, c'est vrai que quand même les décors, vous voyez ça, le détail, il est magnifique. Alors je sais pas s'ils se sont lâchés pour le début du jeu, mais franchement j'ai beaucoup d'amis qui ont joué au jeu, ils me disent que tout le monde c'est quand même un jeu magnifique et faut le faire. Au moins ce qui est bien avec mon Epic Fails de ce matin là, c'est que je vais pas vous spoiler et ça c'est déjà pas mal je trouve finalement. De pas vous spoiler la suite, au moins vous verrez un petit peu le système de combat, la mentalité un peu du jeu, le charisme du héros. Alors là voilà, pareil, hein, ça c'est un truc, ça me gonfle, c'est voilà, on tourne autour d'un objet, ils disent appuyer sur A, mais en une seconde il suffit qu'on bouge d'un millimètre, voilà, c'est déjà plus possible, donc on va... Enfin bon voilà, je tenais à le dire parce que quand même si ça m'a gonflé sur le coup, et puis c'est vrai que les items sont pas spécialement... Bon après c'est un coup à prendre hein, comme dans tous les jeux je suis d'accord, mais bon un jeu où on arrive direct sur le premier item du jeu et qu'on le prend, voilà c'est quand même toujours, toujours appréciable. Sinon bah tout est traduit en français donc ça j'ai bien aimé, puis en plus le doublage est quand même pas mal. Bon bah c'est sûr que les puristes vont dire ouais non non on préfère la version originale, bon, ne vont pas aimer comme d'habitude, mais moi je peux vous dire que je préfère quand même quand c'est traduit en français, et sur l'ensemble des jeux traduits en français, c'est quand même, il arrive dans un bon top 10, parce que, comme je vous dis tout à l'heure, la voix du héros est magnifique, c'est super bien joué, puis même le roi, il est la moitié méchant, moitié marrant, c'est assez cool. Donc là pareil, donc forcément faut utiliser de la magie, de se parer les coups et tout, là je me dis, bon bah... Forcément, ils avaient des armures, tout ça, c'est normal, je suis mort, je suis un bon gamer, mais je peux mourir quelques fois. Et puis non, en fait, ça va être très compliqué. D'ailleurs, on va passer un petit peu en accéléré, puis je retrouve à la fin, parce qu'en fait, j'ai un peu tout dit de mon expérience. J'ai pas envie de casser le jeu, parce que, bon, c'est moi qui suis nul, hein, c'est du gros Epic Fails. Mais voilà, au moins, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit, et puis voilà, hein, c'est... De toute façon, cette scène, on va la revoir deux fois encore, je crois, j'ai perdu. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. Come up to the signal, we're trying to say come in the world. I bring up here a sort of mess that the world may know. I don't see the one in the set to my low, in a second before we may know. Take at least one and to beg your money in a second or so can today. What to tremble, we gotta tiki-tiki-tiki-tiki-ta. What to tremble, we gotta tiki-tiki-tiki-tiki-ta. I'm with someone I wanna get the moon, amiga la chica, la chica, la chica. Buen tamora, tu se que me muen, se tanto mala chiquinamina. A tu buenas, que quiera money. To see no, we continue no. And to brilliant, to see your money. And to queen, to mo querida. Once to win and para, por lo siguiente, taro. Want to seek unto my gemino, and to seek in my mojo to seek unto a para seek unto my gemino. Et nous voilà revenus à nos moutons. Voilà, donc vous avez vu un petit peu mes deux tentatives, mes deux dernières tentatives pour essayer de passer ce passage du début. Donc je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait, parce que là forcément... Bah vous voyez, hein, pourtant j'essaye, hein, je me cache, j'essaye de découvrir un petit peu les boutons qu'on peut faire. Je les attends un par un. J'essaie d'être technique hein, quand même. Mais visiblement, pardon, ça sert à rien. Voilà, on va se recacher derrière la palette, parce que là j'ai vu qu'il y en avait en fond qui me tiraient des flèches, ou ça se trouve c'est à gauche, là je sais pas trop. Donc voilà, bah moi je suis très déçu pour ma... Voilà, hein, je dis bien, hein, pour mon expérience de gamer sur The Witcher 2. J'ai pas l'air comme ça, mais de recommencer 4 fois au début comme ça, après en plus avoir passé un didacticiel de 30 minutes, voilà, ça m'a vraiment gonflé. Donc je sais, vous allez mettre sous les commentaires, mettez un noob, machin, mais allez-y, défoulez-vous là, pour une fois que je fais pas trop ma star, tu vois, t'as le droit d'écrire, pas de soucis. Mais non, bah moi voilà, je suis un peu déçu de The Witcher, ou alors je vais demander à un pote qui m'avance un peu la partie pour pouvoir continuer. Regardez-moi ça. Impossible, et regardez, je me. Hop, on va voir, hein, je me bloque, hein, je me protège, voilà, là j'envoie du feu. Voilà, je retombe, et là, bah, ça va être... Regardez, je me protège, hein. Non, mais c'est impossible. J'arriverai pas, de toute façon, à l'avoir. Donc, je vous dis à ciao, à très bientôt. Désolé pour ce PPS, j'espère quand même que ça vous aura donné envie. Et je vous dis bise, et bonnes vacances pour ceux qui partent ce mois-ci.